Pendant ce temps, l'AGEV, l'association des jeunes émergents volontaires, faisait le tour de quelques mosquées de Libreville, ceci pour apporter son soutien aux gens ayant observé le mois de privation d'eau et de nourriture. Charles Obamondo et Victor Modunga étaient de la partie. Et si la charité bien ordonnée commençait par l'AGEV, l'association des jeunes émergents volontaires, qui encore apporté la preuve supplémentaire de sanction, son prêt est toujours solidaire lorsque les circonstances l'imposent. À l'occasion de la célébration de la fête sanctionnant la fin du jeûne du Ramadan, les membres de cette association ont fait le tour de quelques mosquées de Libreville, à Sandeux et bien d'autres, pour offrir à leurs frères musulmans de quoi boire et manger pendant la fête. La GEV, dont je suis l'un des représentants, a jugé nécessaire d'apporter des modestes contributions à nos frères pour que ce fin de Ramadan soit une belle fête et pour dire que nous les remercions pour tous les sacrifices qu'ils ont fait durant ce mois. Et qui dit sacrifice dit prière, et les prières, quelle que soit la religion, est très importante pour notre pays, le Gabon. Nous avons pensé qu'il était de bon temps, de bonne loi par rapport à l'amitié, à l'amour qui unit le peuple gabonais, de venir leur faire un petit geste pour leur remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour le pays pendant cette période de privation, cette période de jeûne. Les plats étaient donc suffisamment bien garnis. Les remerciements des bénéficiaires à la dimension du geste accompli. Je suis tellement content. C'est nos frères du quartier aussi. Voilà qu'ils ont pensé pour nous. Merci. Nous remercions Allah, nous remercions beaucoup. Ce qu'il nous a fait comme des cadeaux. On a vu, c'est un choix qui nous a accompli aujourd'hui. C'est un jour, on ne peut pas expliquer infiniment qu'Allah vous récompense beaucoup de bonheur. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui coupait les carmes de quelqu'un, Allah il va te donner les récompenses des carmes, ce qu'il a fait, et sans diminuer la personne. À titre de rappel, ce rituel est observé systématiquement chaque année par la communauté musulmane de la planète, des moments importants dans la vie des fidèles d'Allah.